Eh bien, salut tout le monde, c'est Farage et bienvenue pour ce nouveau stream sur Dying Light 2 en compagnie de Pif Pouf Mirouf. Salut Pif Pouf. Eh oui, c'était quand moi. Bon, on se retrouve là où on s'était laissé hier, hein. On n'a pas bougé. Donc du coup, on s'est fixé pour objectif ce soir. On va aller partir un petit peu du côté de Horseshoe pour essayer de se faire cette mission de nuit, prendre le moulin qui est là. Parce qu'en fait, on n'avait pas vu que quand on va sur un moulin, vous voyez, sous le nom du moulin, il y a les statistiques qu'on est censé avoir si on veut activer le moulin. Donc là, celui-là, on peut le faire, donc on va le faire. Et du coup, comme cette mission va nous mettre de nuit, on va aller affronter l'anomalie du greu qui est là. Et si on a le temps, si on est bon, on pourra aller essayer de piller le centre génomique pour le THV qui est là. Et ensuite, on fera la même chose, mais de l'autre côté, en évitant les zones de niveau 4, puisque c'est trop facile pour nous. Donc, on va éviter. Voilà pour le planning pour le moment. Ah, je déteste les jeux d'horreur, particulièrement le soir. Ah bah là, Vulcan... Bon, et encore que, honnêtement, enfin, c'est un jeu d'horreur de par le contexte, mais c'est pas un jeu qui fait peur. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de screamer ou quoi que ce soit, donc... Est-ce qu'on attaque par la mission où il faut récupérer les gamins ou on se... Ah oui, il y a la mission. Ouais, ouais, non, t'as raison. C'est là. Bah oui, vu que c'est là, il faut les... Ils sont... Je sais pas trop où ils sont, mais... Bah ils sont cachés, il faut les trouver, donc... Bon, ah oui, on va commencer par ça. T'as raison, j'avais oublié cette mission. Alors, ça n'était pas une coïncidence. Ça a dû faire plaisir à... Où est-ce qu'ils sont cachés, les gamins? Alors... Oh, oh, ça glisse. Oh! J'espère qu'il faut pas remonter sur le clocher, hein. Ben, je ne sais pas. J'en ai un, là. Ah, donc ils sont cachés? Non, même pas, il est devant, là. Ah, d'accord. Il gueule, il cherche son frère, je pense. Bon, ben... Bah... Ah oui, c'est Scotty et quoi? Je sais pas. C'est l'autre venant à la corne, là, je sais plus. On va voir. Salut, je cherche deux enfants. Scott et oui, Mo. Mo, c'est mon nouveau meilleur copain, vous savez. Après Buddy, bien sûr. Tu l'as vu aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Mais lui et Scott sont souvent venus jouer avec moi et Buddy ces derniers temps. Buddy leur faisait pas confiance au début, mais maintenant on s'amuse ensemble tous les quatre. Vous connaissez Buddy? Buddy, c'est une boîte à chaussures. Ah, voilà, vous l'avez pas vu par hasard? Assez gros, une épaisse fourrure noire. Il court après les balles comme un petit chien, mais en fait il est vieux. Non, mais je pensais pas que les animaux de compagnie étaient autorisés au bazar. Et Mo et Scott, t'as une idée de l'endroit où ils auraient pu aller? Bah, je sais pas. Mais Buddy est un chien errant. Qu'est-ce qu'on a à faire du chien? Pour jouer avec moi. Je le ramènerai bien chez moi, mais mon oncle veut pas. Un jour peut-être. Bah en même temps quand tu es dans une colonie où tu manques d'eau, c'est clair qu'avoir des animaux de compagnie, c'est peut-être pas le bon plan quand même. Et Buddy attrape toujours la bleue. C'est sa préférée. Bah j'ai pas de balle bleue. L'interrompre gentiment. Non, on l'interrompt brusquement. Écoute gamin, j'ai pas vraiment le temps de tout apprendre sur les chiens. D'accord. Si vous aimez pas les chiens, vous auriez dû le dire. J'arrête pas de te le dire. J'ai pas dit... Moi j'aime les chiens, mais les chiens qui te mangent les boules, c'est pas... Je te préviendrai si je croise. En attendant, je dois trouver Scott et Mo. Il doit bien te laisser rire, hein. Je viens d'avoir une idée. La porte du bazar, bien sûr. La porte du bazar. Désolé gamin, j'ai pas le temps de m'occuper de Buddy pour l'instant. Je suis pressé. Creuser pour trouver des os humains est dégoûtant. Mais Scott et Mo trouvaient ça amusant. Quoi, attends, Scott et Mo, c'est des chiens aussi? Alors Scott et Mo ne sont peut-être pas passés par ici après tout? Tu connais d'autres endroits où ils traînent? Si vous voulez les trouver à ce point, vous pouvez chercher le long de King William 9 Road. Scott nous a montré comment chasser les martres là-bas. Merci pour le tuyau. Et t'inquiète pas, dès que je les aurai trouvés, Buddy est le prochain sur la liste. Merci, monsieur. J'espère. Si vous le trouvez, peut-être que Buddy sera votre ami aussi. Ouais, t'inquiète, vas-y, commence à allumer le barbecue. Ok. Donc c'est où? Il faut sortir de là. Attends, c'est les chats qu'on peut faire aboyer avec un barbecue. Peu importe, on a besoin de viande. Alors, c'est par là qu'on doit aller. 300 mètres? Mais ça va aller, ça va aller. Je suis parti de l'autre côté. Bon,
Oh, c'est pas grave, on va se rejoindre. Métro de la Sainte Trinité découvert. Vous l'avez pas déjà découvert celui-là? Bah, je croyais que si, autour du bazar, je crois qu'on avait tout trouvé. Ah, pardon, t'étais au milieu. En fait, quand on court, il faut bien penser à ranger son arme. Parce que du coup, il court plus vite. Est-ce qu'il y a un bouton pour ranger l'arme? Alors, moi, quand j'appuie sur le bouton pour sprinter, ça le fait ranger l'arme. Ah, et moi, j'ai pas pris le sprint. Conteneur d'inhibiteur. Bah oui, il est où le conteneur d'inhibiteur? Il doit être dans ce bâtiment, là. Attends. 48, 50... Cavité sombre, ouais... Il y a un conteneur d'inhibiteur par là. 30 mètres, 20 mètres. Ah, mais si, on était déjà passé devant ce bâtiment. Attends, je suis un peu occupé avec des gars dans la rue là. Allez, couché. Vous connaissez les molotov? Eh bah elle est pas mal cette hache. Ouh. Pourquoi ils font mal quand même? J'ai éliminé l'anomalie du groupe pendant la nuit pour ouvrir la trappe et récupérer les inhibiteurs. Ah d'accord. Aïe. Ouais, donc c'est de nuit quoi. Et voilà, plus qu'un. Allez, meurs! Ouh! Voilà, bandit vaincu. Oh bah, c'était. C'est pas passé très loin, hein, je t'avoue. Arrête, le principe des exécutions discrètes, c'est de pas se faire remarquer. Ouais, mais c'est bon, c'est bon. Allez, hop, hop. Je me soigne un coup. Ok, donc les anomalies du greux, on reviendra et on prendra le conteneur d'imiteur. Cherche. J'entends des chiens. Mo. Scott. Bon, j'entends des bandits là, mais. Mo. Scott. Par là. On a failli te choper. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces boucans? C'est quoi? Moi, je suis. Il y a du miel là. Je sais pas, moi j'entends un gros pabou visiblement. Alors, j'entends des clébards aussi, mais. Enquêter sur les cris. Attends, il est où le marqueur? D'accord, il faut rentrer dans le bâtiment apparemment. Alors attention. Voilà. Dégage. Bon, je collecte. Alors comment tu rentres dans le bâtiment? On est plus dans la zone de quête à ce moment-là. Elle est à 18 mètres la zone de quête pour moi. Ça doit être là. Hop. Hein? Oh bonjour! Excusez-moi, je vous ai réveillé. Ouais, j'y vais un peu en mode bourrin là. Le bourrinage, c'est la vie, on est d'accord. Allez, celui-là, on lui brise la nuque. Et celui-là, on va faire pareil. Voilà. Du coup, 24 mètres la zone. Alors ça doit être le bâtiment à côté, visiblement. Ah, c'est là. Yep, voilà, j'ai trouvé.
C'est là. Enquêter sur les cris. Probablement une zone sombre. Scott, c'est ta mère qui m'envoie. Où est ton frère? On a joué et le chien s'est enfui et... Mo! Alors en fait, pas tellement Vulcan. C'est juste qu'on a un truc dans le cerveau qui fait que on a du mal à le faire. On se retient. Deuxième étage? Non, autre. Troisième ou peut-être quatrième. Oh, je sais pas. S'il vous plaît, aidez mon frère, monsieur. Retourne au bazar. Je le trouverai. C'est promis. Attention aux infectés, monsieur. Ouais. T'inquiète pas, gamin. Ça promet. Allez. Immunité. Alors, l'architecture de la zone me dit quelque chose. On est déjà rentré dans une zone où il fallait s'accroupir juste à droite, comme ça, mais... Je sais pas si c'est la même. Oula. Oh là là. Attends, te mets pas... Ne bougez pas. Lumière. Aziz, lumière. Brûlez, mes créants, brûlez. Heureusement que les baraques prennent pas feu, hein. Bon, mais en tout cas, il y a un point positif, mais Molotov tue, maintenant. C'est ça qui est bon. Voilà. Tu croyais que je t'avais pas vu? Dégage. Allez, brûlez. Voilà. La palme, c'est bon, c'est chaud. C'est ça. Et surtout, ça colle à la peau. Je connais aussi la chanson. Si, t'es mort, hein. Dégage. Elle est bien, cette massue que j'ai, là. Ouais, bah moi, j'ai le même genre, mais une hache. Salut, Free. Alors, pas grand chose ici. Ouais, c'est assez brumeux. Ouais, j'aurais dit poussiéreux. Il faut monter, mais... Ouais. Monter aussi, alors, mais après pour aller où? Il doit y avoir une grosse bestiole, là. Ah. Hop. Ah, bonjour, messieurs. T'es là en bas, toi. C'est quoi ça? Une statuette de cristal. Oh. Un cri, pardon. Alors, qu'avons-nous ici? On voit rien. Rien, j'entends un kleps. Rien, là en bas, il y a rien. Et dans la caisse. Salut Saikini, comment vas-tu? Alors, des outils, de l'alcool, de la vodka de l'ancien monde. Ah, j'ai trouvé le kleps. Il a pas l'air bien. C'est sûr. Du calme, tout va bien, t'es en sécurité. Il est là, il nous a attaqué. Oui, j'ai entendu. Le chien nous a sauvés. Il avait l'air gros. Petit chien. Et on... Tu vas bien, t'es en sécurité maintenant. Tu comprends? Regarde-moi. C'est votre mère qui m'envoie, elle vous cherche. Sors de là. Il est revenu. Je vais pas sortir d'ici. Ils sont quand même allés jouer sacrément loin quand même du bazar. D'accord, reste ouais. Ici. Je vais jeter un œil. Et vu le boucan, il a quand même l'air sacrément gros, hein. Ouais. Laisse la porte fermée. C'est quoi, un gros ou un rapace? Ah, je pense pas que ce soit un rapace. Ce sera un gros. Ouais. Non, je suis parti. Alors... Oh! Bonjour! Ah! Il est là en bas? Ouais, avec des cracheurs. Attends, je vais t'apprendre à cracher, moi. Tiens, crache-moi ça! Y'a pas des javelots, là, non? Ah, y'a un truc doré, là-bas, non? Ça lui fait pas grand-chose, hein, les... Bah, il doit lui en falloir plusieurs, hein. Mon lot à fond. Ah, y'a un cristal, là!
Hop. On prend. Alors, il est où? Donc là, il y en a deux en dessous. Le crasher, il est mort. Hop là. Bon, on peut peut-être déjà s'occuper des deux qui sont là. Bonjour, bonjour! Voilà. Les deux qui étaient là, ils sont morts. Là, il y a une caisse, j'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un manuel de l'ancien monde, des antibios et des boîtes de conserve. Il reste plus que le gros. Alors, Polo, bon, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais il est mignon, ah, mais il est gentil. T'as soif? Tiens, bois un coup. Vous voyez le kunai, hein? Ça fait des dégâts, hein? Ah! Je bon. Si je les ai mis, moi. Allez, Hosoi! Aïe, oh putain! Oh putain, c'était pas prévu ça! J'avais pas prévu les petits avec! Brûlez, brûlez, brûlez! Bon, le gros est mort. Ouais, et les petits vont pas tarder. Il a pas d'attaque à distance. Et en plus, elle a beaucoup en résistance. Trophée infecté unique, pas mal ça. Ah, moi j'ai eu une habituelle, moi. Alors j'en ai eu des inhabituels, mais sur le gros j'ai eu un unique. Bah moi sur le gros j'ai eu un inhabituel, ah. Je vais avoir encore un. Ok, bon, il faut remonter voir le gamin, j'imagine. J'avais pas fouillé. Hein. Oui, effectivement. Hop. Hop. Ah, ça brille, y'a pas les glissos. Hein. Comment on monte déjà? Par là. Hop. Par là. Voilà. C'était où? C'est là. Merde. Allez gamin, sors de là. C'est ce qui arrive quand on fait trop le show. Ah ah. Votre santé est faible. Ah oui, ma santé, c'est vrai. Je vais peut-être me soigner un peu. Je sais plus où il est. Là, attends. Ah, c'est encore en haut? Ouais, au deuxième. Là. Ah, monte-toi. Putain, mais. Qu'est-ce qu'il fait? Allez! Allez, bifouf! Allez! C'est bon. Il y avait la planche qui m'empêchait de monter. Tu peux sortir, c'est fini. Y'a plus rien à craindre. Vous en êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il est mort? Ouais. Qu'est-ce que vous faites ici de toute façon? Oh, ça va, c'est fini, ça va bien. On a entendu aboyer et on est entré. Mais ton frère a dit que vous jouiez avec le chien et qu'il est entré ici. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais, on va pas lui dire qu'il ment. Quoique, en vrai, c'est un gamin, il pourrait avoir peur. Mais si on le rassure, c'est mieux. Mo, quoi que tu aies fait, je te jugerai pas. Tout le monde fait des erreurs. Je mens pas, c'est la vérité. On est entré parce que le chien, il a attaqué cette chose. Benny nous a sauvés. Sinon, on aurait... On peut rien faire pour lui maintenant. Vous comprenez pas. C'est notre faute. On l'a poursuivi ici parce qu'on le chassait. Attends, attends. Chasser le chien? Mais pourquoi est-ce que vous chasseriez un chien? Bah, le barbecue, pour hein. Maman, pour son anniversaire. On n'a rien du tout. Même pas de quoi manger. Mais on voulait pas qu'elle ait faim. Pas le jour de son anniversaire. Ah, je l'avais dit. Et quand on a vu le chien jouer avec ce gamin, Dominique, on a eu une idée. Bah, sors les couteaux, hein. Bon. Mettre un terme aux souffrances du chien. Ouais, je suis d'accord. Retourne-toi et regarde pas. Des fois qu'il se transforme en zombie et qu'on ait des chiens zombies à gérer, je préfère pas prendre de risques. Une deuxième anomalie du greu. Oh, non, non. Traumatisme des chiens dans Resident Evil. Non, merci. Retourne chez ta mère. Ah bah il est retourné vite. Bon,
Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il fait là? On t'a dit rentrer chez ta mère. Bon, il faut retourner au bazar pour valider la quête. Alors on y va. Oh, hop. Hop, c'est par où la sortie? C'est par là. Tac, voilà. Allez, retour. Ouais, non, on va d'abord valider la quête et après on en prendra une autre. On reviendra là après. Oui, faisons ça. Excusez-moi, monsieur. Je vous interromps dans votre repas. Voilà. Y'a pas du miel ou des trucs là sur le toit? Ah, y'a des trucs. Ma santé est faible, si peu. Voilà. Alors, faut aller là-bas. Bon, yep. Voilà, monte. Yep. Ah, bah, une fois que t'as compris comment ça marche, le saut en longueur, c'est quand même bien pratique, hein. C'est quand même bien pratique. Là, il doit y avoir une anomalie du greux. Ouais, je suis sérieux, c'est une anomalie du greux. Alors, bonjour, bonjour. Et voilà. Allez, joyeux anniversaire, maman! Du coup, j'ai accueilli ces enfants chez moi. Qu'est-ce que tu deviens ces derniers temps? Et tu savais que la plus petite n'avait que 6 ans? C'est vraiment adorable. On est d'accord qu'il y a marqué veuillez patienter? Non, moi il y a marqué ouvrir. Ah bah alors ouvre, moi il y a marqué veuillez patienter. D'autres joueurs nous attendent. D'accord, oui, mais là justement. Ah, c'est bon. J'ai déjà cherché autour de l'église, mais il était pas là non plus. En fait, je me demande si... Oula, mince. C'est aussi votre ami, maintenant. Si, il faut qu'il y en ait qu'un des deux qui active la... la quête, en fait. Laisse mes fils tranquilles. Là, on l'avait peut-être activé tous les deux séparément, c'est pour ça que ça, ça buguait. Bah, j'avais pas appuyé avant que tu me dises que ça buguait. Ah, bon, bah, je sais pas. Dites quelque chose. Il y a des lance-flammes dans ce jeu, aucune idée. S'il vous plaît. Peut-être que ton oncle peut acheter un animal de compagnie. Bah oui et non, il y a des armes qui permettent de foutre le feu aux ennemis, mais... Oui, mais il y aura peut-être... Oui, mais peut-être plus tard, il y en aura. On n'a pas débloqué l'arc, les armes à feu, ni rien. Alors, vous lui avez encore rien dit? Ouais, non, ils vont se démerder, hein. Chacun sa merde. Buddy est mort. Scott et Mo peuvent te dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez vu? Qu'est-ce qui est arrivé à Buddy? Dites-lui les garçons. Salut Fallon. Dominique, je suis désolée. Salut Fallon. Tais-toi. Buddy, c'est notre faute. Ferme-la, crétin. Tais-toi, Scotty. Laisse-le parler. C'est votre faute. Mais comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh. Non, non, t'as pas manqué le scénario, c'est de l'annexe là. Tuer. Mais on l'a fait pour maman. Je le jure. C'est pas comme si on l'avait fait pour s'amuser. Mais comment? C'est pour ça que vous avez commencé à jouer avec moi et Buddy? C'est ça? T'es les sales gosses quoi. Parce que si vous étiez pas amis avec lui, vous saviez que Buddy vous laisserait pas l'attraper? Je suis désolée, Dominique. C'est ma faute. On a si peu et c'est tout ce que les garçons ont pensé à m'offrir pour mon anniversaire. C'est de leur pardonner. Ils ne voulaient aucun mal. Juste le chien. Juste le chien? C'était mon meilleur ami. Et vous? Vous? On aurait dû le laisser en vie, Dominique serait allé le chercher, il serait mort. Mais il y a des chances. On voulait juste... Je sais. Mais ce que vous avez fait... À Dominique et à ce pauvre chien. Malgré tout,
Je pensais vous avoir mieux élevé que ça. Je veux pas vous voir pour le moment. Merci de les avoir trouvés, de les avoir sauvés. Et de leur avoir donné la chance d'assumer la responsabilité de ce qu'ils ont fait. T'es un homme bien. GG, t'as fait le bon choix. Pour un pèlerin. Prends soin de toi. Je pensais qu'ils allaient essayer de monter un mytho, donc moi j'aurais tout balancé. Bah ouais, mais non, visiblement. Ah, une barre UV.